m'appelle Simon Chanard, je fais partie du point rénovation infoservice du département de l'Ain. Mon rôle, c'est de renseigner les particuliers sur leurs projets de rénovation. Les premiers échanges, finalement, qu'on va avoir, ça va être avant tout pour confirmer des hypothèses de travail et connaître les aides financières qui pourraient se rapporter au projet de rénovation qu'on peut envisager. Pour notre retraite, nous avions prévu de rénover un petit immeuble en ville. Nous avons commencé par le toit, en isolant avec de la fibre végétale. Le mur côté rue est isolé par l'intérieur et le côté jardin par un complexe de laine de bois posé à l'extérieur et revêtu d'un enduit. Les fenêtres, bien sûr, ont été changées également avec un double vitrage avec de l'argon. On trouve également une récupération d'eau de pluie à la cave. Nous n'avons aucune difficulté à louer. Les appartements ne restent jamais vides parce que, justement, les charges sont très modiques. Les points rénovation infoservice, en fait, c'est en quelque sorte le GPS de la rénovation. Est-ce que ça va être plutôt sur l'aspect chauffage, plutôt sur l'isolation, sur l'aspect environnement? Et on va calculer finalement un itinéraire le plus adapté à vos besoins, tout en vous aiguillant sur les aides financières, les choix de matériaux, etc. Aujourd'hui, sur les projets de rénovation qui sont réalisés par des professionnels RGE, des subventions de l'État peuvent permettre de faciliter le financement de ce projet.